Les diplomates saoudiens basés en Iran sont retournés à Riyad après la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran dimanche. Les relations diplomatiques ont été rompues après l'arrivée de manifestants dans l'ambassade saoudienne de Téhéran. La tension est montée après l'exécution par Riyad d'un dirigeant religieux chiite. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Archber, a déclaré que son envoyé en Iran avait reçu l'ordre de rentrer en Arabie saoudite dans les 48 heures. Les diplomates saoudiens évoquent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés après les incidents. Nous avons eu des problèmes à l'aéroport. Nous avons été fouillés, même si nos collègues étaient porteurs de passeports diplomatiques, et que ces fouilles se sont faites en violation des conventions internationales. Nous avons été les témoins d'une destruction complète. Ils ont tout détruit dans l'ambassade de Téhéran. Ensuite, ça a été 3 jours d'horreur que nous avons vécu avant d'arriver sains et saufs à l'aéroport, grâce à Dieu.